vue du public. Bonjour, 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 chers amis internautes, vous tous qui nous suivez dans cette émission Avis du public. Mbote, 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 n'abîmé nos soeurs et pas les wapi bozali, bande de côte, mais ça n'a pas fait sa vie, bah, information, oyo, et zali koleka, na mbo kanabiso Congo. Bande de kobo yébike, de konabiso Félix et Chilombo, azali bongo kobongo sa gouvernement naé. Kasi kamoko, comme on n'est pas du tout, bande de kolo, bah, interne, donc, comme un premier ministre. En termes donc comme premier ministre, car c'est la photo où vous avez comment la bande congolaise va congoler tous vos alliés partout dans le monde entier. Mutu oyo bango ba pouvoir faire comme un ministre et zali bongo ne ndeko oyo vous avez comment la photo de voilà comme ya Albert Yuma Mulimbi de Albert Yuma Mulimbi yende oyo bango ba zali ko proposer à comme bongo premier ministre. Donc voilà ndeko Yuma Mulimbi, donc tout puissant président du patronat congolais en sigle FEC et président des conseils d'administration de la GECAMINE et de la Banque Centrale. Donc sera vraisemblablement le futur premier ministre de la RDC, selon l'interprétation déductive de l'accord de coalition gouvernementale FCC-CASH. Donc, Yemoutou Bazali a proposé Bongo comme premier ministre. Donc, l'accord prévoit dans l'un de ses articles que le premier ministre sera issu de la société civile. Une clause taillée sur mesure pour Albert Yuma Mulimbi en sa qualité de président de la Fédération des entreprises du Congo, en sigle FEC, selon plusieurs observateurs interrogés. Yuma a été parmi les premières personnalités à féliciter le 25 janvier 2019 le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, dans un communiqué lu sur les antennes de la RTNC au lendemain de son investiture. Il a réitéré le 29 janvier 2019 ses félicitations au nouveau chef de l'État et a rendu un vibrant hommage à l'ex-président Joseph Kabila lors de la cérémonie de présentation entre opérateurs économiques. Des détails qui ne trompent pas. Selon plusieurs analyses, lors de cette cérémonie, Yuma a déroulé un véritable programme gouvernemental sur comment créer la richesse. La seule chose qui manquait à cette démonstration, c'était un chronogramme et un budget. Yuma est parmi les fidèles des fidèles du président de la République. Il fait partie du premier cercle de Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC. Et il a soutenu vigoureusement tous ses choix politiques et économiques, à l'exception de celui d'Auguste Matata Mponyo, ex-premier ministre de 2012 à 2016, avec qui les rapports sont exécrables. Monsieur Yuma Mulimbi est originaire de l'ex-Katanga, précisément dans les Tanganyika, province d'origine de l'ex-président Kabila. Yuma est l'un des artisans de la révision du code minier. Son expertise sur les questions économiques est reconnue unanimement. Il connaît les potentialités de l'économie congolaise et goulot d'étranglement. C'est aussi un homme à poignet qui sait faire preuve d'autorité. Albert Yuma est aussi en croisade contre les ONG internationales. Il répète qu'il n'a pas de compte à leur rendre car redevable uniquement devant les Congolais, propriétaires de leurs ressources naturelles. Toutes ces qualités font qu'il a dévancé Henri Mova Sakani, un autre leader katangais. Toutes ces qualités font qu'il a dévancé Henri Mova Sakani, un autre leader katangais, dans la course pour occuper le deuxième fauteuil et plus important après celui du président de la République. La nomination du chef du gouvernement devrait intervenir bientôt par le président de la République. Selon une source proche de la présidence, Félix Tshisekedi veut aller vite, d'où l'escamotage de l'étape de la nomination d'un informateur pour identifier la majorité
parlementaire de laquelle sera issu le futur Premier ministre. Vital Kamerhe, Premier ministre selon l'accord de Nairobi entre UDPS et INC, restera au poste clé du directeur de cabinet du président de la République. Une adaptation à la configuration politique actuelle qui donne au FCC la majorité absolue au Parlement. Chose que Cash n'a pu réaliser. Merci Bandeko. Boutikoyoka Ndekonabiso Oyo Bazali ko proposa comme Premier ministre Zali Bongo Ndeko Albert Yuma Mulimbi. Merci d'abord tout bon Ndekonabiso na avis du public. Tokupe semelo basarum susu na mikolo ezali koya. Merci d'abord tout bon Ndekonabiso. Boutika malamu tout mona di bongo na prochaine édition. Merci, au revoir.